Ah non, non, mais ça fait rêver. Non, des étoiles plein les yeux. En 2014, Carlos Ghosn, le patron de Renault-Nissan à l'époque, a fêté ses 60 ans au château de Versailles. Attention, hein, avec 200 convives en grande pompe, dîner dans l'esprit, grand siècle, Louis XIV, préparé par le grand chef Alain Ducasse, feu d'artifice, enfin tout le château était ouvert pour Monsieur Ghosn. Et on s'aperçoit qu'il a financé ça avec l'argent de sa boîte, Renault Nissan. Voilà. Du coup, je suis fier parce que j'ai l'impression d'avoir un peu participé parce que je suis propriétaire d'une Renault. Et je me suis fait baiser aussi, oui. Mais bon,